à réagir sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag ASMBUSC. N'hésitez pas, bien sûr, pour interagir entre supporters. Le premier ballon sera donc... On va voir à l'œuvre, hein, Sébastien, cette défense... Vous le disiez, hein, qui a encaissé oui. pas mal de buts. Voilà, sans doute ce besoin de se rassurer, hein, derrière. Bah, sur 8 matchs, ils avaient pris, je crois, 4 pour essayer de se remettre en confiance défensivement. Allez, pour l'instant, on essaye de poser le ballon avec Kalen Damessi. Damessi. Professionnel. Après, il a évolué à Quevilly l'année dernière, 6 mois, est arrivé depuis un an et demi. Un an, je crois. À Concarneau, et le coach me disait que ça se passait très très bien. Très content pour lui d'avoir œuvré. Attention, la réaction avec Youssoufa Amali, le bon retour là. Bon retour. On va dire que pour se rassurer, c'est quand même pas idéal. C'est pas le meilleur départ, non. Et c'est vrai que ce qui surprend, hein, vous aurez l'occasion en tout cas dans le replay de revoir ça. Crucifié peut-être à 9 mètres du but et encore. Et Dadza. Ah, il y a pas mal de construction, c'est pas mal. Dadza ouais. qui tente sa chance après le relais avec Jégous. Il y a une volonté de conserver. Exactement. Ah, appréciable. Ah, oh, il est bon Damessi. Ouais, exact, bien vu de la part national. National, ouais. Il était venu avec Fabien Voyer aussi. Exactement. Ouais. Défenseur central qui a eu à Rennes, puis à Angers après. Le ballon sorti par François, directement en touche pour Régnier. Ah, il y a aussi un déficit de confiance. C'est un bon début de match du Tournier, la faute. Ouh, non. Et, mais, monsieur Landry, qui était bien placé, des consignes de prendre dans le dos, hein, Cabon et Janez. Oui, parce que ça reste quand même une défense qui est assez statique, mais qui a une lecture d'anticipation qui est... Le buteur... C'était pas Charlie Dutournier, mais c'est Maëlilien. Maëlilien qui ouvrait la marque, était en retrait dans la surface. Et ce qui montre aussi une. Et c'est vrai que sur les deux. Ilien et joueurs, Dutournier. Mais voir déjà un milieu défensif dans la surface comme ça, c'est. Ça dénote. C'est son troisième but. C'est son troisième. Donc. Ouais, ça dénote effectivement des intentions. Ça aide bien que les milieux défensifs arrivent à marquer. Arisi, François Bédimé. Oh, attention ce ballon là. Ouais, Barros qui avait mis un petit peu en difficulté François. Ah, visiblement c'est quand même des consignes, hein, parce qu'on cherche très souvent la profondeur là dans le dos de Cabon. Cabon ancien joueur d'Avranches pour cette équipe de l'ASM Belfort avec François qui a, hein, la capacité de bien les frapper. Le contrôle pour Arisi. Attention au contre 1. Ça va aller vite là. Oh, ça va très très contre éclair. 3, j'en vois même 4. Après oui. Le ballon a dû être donné plus dans la profondeur pour que le joueur se retrouve lancé, qu'il ne coupe pas sa course. Mais attention à Belfort sur ces contres-là. Ouais, attention. Et très méritant, hein, parce que je pense qu'il est, il a pris l'équipe en CFA2. CFA2, c'est ce qu'il nous expliquait avant la rencontre. Et voilà, on l'a laissé travailler tranquillement. Et a construit petit à petit son groupe. Mais... Ça va très vite. Ouh, aïe, 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 oui. C'est peu de dire qu'il y a le feu, hein, dans la défense belfortaine là. Marvin Diop obligé de donner en retrait. Très très bien joué. Ballon pour Régnier. Allez, première fois on essaye de combiner avec Steve Agui. François Martin plutôt. Accrochage avec exotique. Et ici en tout cas l'ASM Belfort, alors qu'on va suivre cette action finalement bien coupée par Cabon, par Bédimé.
Là c'est là qu'il manque un peu de transition sur, voilà, dans l'utilisation. Ouais. Le fait de jouer avec deux joueurs devant, il devrait. Ouais. Après, je pense que, comme je le répète, Thomas Reynier devrait un peu plus jouer. Décrocher, je pense. Après, ah, Diop qui fait les appels. Ouais. Les quatre joueurs sont sur la même ligne. Ouais. Allez, ne le juge pas en jeu. Ah non. Ce qui rend assez foudrageux. Un peu bizarre. Mais c'est vrai que Maurice Goldman insiste depuis cette aventure il y a 3 ans. Ça avait été fondateur. Cette équipe était en difficulté en CFA. C'était ensuite maintenu pour connaître ensuite la réussite. Voilà. Ça peut être tout bon ou tout mauvais, mais en tout cas, ça a cette faculté de souder un groupe. Ça fédère un groupe en général. Alors, qui plus est, s'il est en difficulté. Après, c'est toujours le risque quand on revient. Voilà, ce que disait ce joueur intermédiaire qui doit venir sur les routes. Ça part. Là, il y avait de l'idée, en revanche, de François Martin, qui est à la 7e victoire, en ayant en tête le chiffre de 10 victoires pour jouer le maintien, cher à notre ami Giroud. 7 victoires après 11 journées, ça commencerait quand même à être largement significatif. Hein. Passe de Bédimé directement sur Gégous. Ce qu'elle est capable de faire, cette équipe. Aussi dégager quand c'est quand il le faut, et oui, quand il faut faire le bon geste. Allez, Reynier, voilà, dans les pieds, ça va être un peu fort pour Youssouf Ahmed dans le nord. Le centre de Toupin, c'est dégagé par QQ. Attention à ce deuxième ballon d'Amessi qui pouvait le contrôler. C'est Martin qui avait dégagé un petit peu. Les coulisses aussi. Hein. Ouais. Le club aux infrastructures magnifiques. Allez, tiens. Il reste bien sûr. On a une petite période charnière quand même cette journée là. Un tiers du. Oui, à peu près. Ouais. Pas comme si on avait 3-4 journées, là on arrive à ces clubs, c'est justement de prévoir et d'ajuster. Allez, le bon ballon sorti, on cherche encore une fois devant pour Thomas Reynier. Voilà, l'image de cette action, pour l'instant c'est à chaque fois très difficile, c'est forcé. Oui, ça c'est poussif, c'est. Il faut ouvrir, voilà. Ah, il y a de la chance. Hein. Allez, Martin, il était donné pour faute. Marvin oui. Diop. Ouais. Oui, oui. La faute de Marvin Diop pour le dégagement. Alors que ça ne bouge toujours pas, ce 4-4-2 de Nicolas Cloarec, sans doute, peut-être, de notre ami Hervé Genet. Et qui marque surtout but sur but en équipe réserve. L'équipe réserve qui est leader en DH. La frappe, elle est contrée, oui. Ça donnera un corner. La 40e minute de jeu ici à Cerzian. Le corner de Martin pour la tête. On se dégage en deux temps. Et le grand Janez, auteur de cette première tête défensive. Bédimé face à Idadza, il a un sérieux client. Clairement, le Breton qui remporte son duel face au latéral droit, Belfortin. Attention, il y aura un pressing là, ouais, il est sorti Nsimba. Ce ballon un petit peu osé de Martin. C'est une fameuse passe latérale. Hein. Aïe, il arrive en retard. Oui. Carton jaune pour. Oui, logique. Logique. Mais voilà. Mauvaise passe, perte de balle. Pour sa première sortie, on marque sur le premier but. C'est vrai que c'est le scénario pour l'instant idéal pour eux. C'est vrai. Ça aide à jouer. Regardez. Ah, encore une fois, le ballon perdu par Martin. Ça attention. Va aller très vite. Méfiance est à rectifier. Voilà, et tout de suite, on va fermer, vous voyez. De se remobiliser.
pas non plus un grand rythme imposé par Belfort, parce que mettre un peu de folie pour aussi parfois même... Encore un duel gagné du tournier Stéphane Véron. Et tout de suite, ouais. Ça laissera un peu plus de suspense, tant mieux pour cette deuxième mi-temps. Ah. Et ça semble tellement difficile dans l'axe, hein, dans l'entrejeu où Belfort se fait manger pour l'instant. Et pourtant, on est 2-2. Bonne situation, quoi, les situations tactiques. Franc de Martin, deuxième poteau, ça donnera un corner. Non, il y aura hors jeu. Oui. Tic, à l'image de son équipe, de son entraîneur, et voilà, qui construit petit à petit, pas de folie. Et pour connaître un peu le club de Concarneau, et je sais que la mairie de Concarneau. Marvin Diop avec Thomas Régnier, ça c'est du pain béni pour. Janez et les défenseurs de Concarneau. Martin Aguilly, le dédoublement de Cucu, voilà ce qu'on disait. Et en plus, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de large distance de passe pour vraiment avancer. Allez, Saline pour Damessi. Ah, pour une fois, attaquant. De Concarneau qui ratait ça. Et Stéphane Véron propre dans sa relance. Voilà, c'est là qu'il faut trouver la solution. Il faut garder, faut qu'il y ait un peu. Ouais, il n'y a pas de solution. Voilà, on va repartir avec la charnière centrale qui va aller jouer de. Et tout... Comme il n'y a pas de rint, le bloc adverse est tranquillement, largement le temps de. Oui, sur 10 mètres de course sur le côté. Voilà. Le ballon récupéré par Idaza. Attention. Bien joué ça. Idaza encore. C'était pour du tournier. C'est intercepté. Marvin Diop. Allez, là, c'est là qu'il fallait la mettre en profondeur. Et là, il ne lui met là, pas. Mais le ballon pour eux. Oh, de match. Peut-être plus soufflé là. Pied en avant. Pied dangereux. International. Allez, le coup franc pour Guillaume Arisi. Et le temps qui passe, hein, mine de rien. Déjà 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Martin qui oriente sur Agui. La main de Nsimba. Elle est 3 qui est bien dessinée. Et ça a bien ajusté. Et je pense que ça va renforcer son dispositif défensif. Simba. Ce côté, et on va se projeter vers l'avant. Le centre du tournier, il fallait le bon renvoi là. Collectif de la défense, Amadi. Et Akar qui change le jeu. François, Martin, pardon. Allez, pied gauche. Ouais, ce sera un corner. Allez, Maurice Goldman qui joue son va-tout, hein, Sébastien. Il reste 30 minutes. Il le fallait de toute façon, voilà, changer quel point, bien sûr. On peut dire qu'ils subissent, mais voilà, c'est normal que Belfort pousse un petit peu, même désordonné, mais il attend peut-être cette action ou cette offensive qui va permettre d'aller chercher le deuxième but. Ou si c'est pas le cas, de rester à 0-1. Voilà, c'est très dynamique, c'est très actif. Il va falloir gagner ces duels là, montrer à cette équipe de Concarneau que mais les duels sont gagnés, hein, par les joueurs de Cloarec, même si là Idaza perd le ballon directement. Martin, oh là là, le contrôle de Mev Kuskic. Beaucoup moins fluide, hein, en ce moment.
Ah, alors, il y aura un autre fait peu banal dans cette rencontre, puisque vous ne le voyez pas sur votre image. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau, non pas pour une position de hors-jeu, mais... Voilà. Allez, place au jeu. Place au jeu, bien sûr, ici. Voilà, si vous nous rejoignez, hein, vous n'avez pas manqué. Allez, Belfortin qui réclamait une main de Fadloun, mais ça peut jouer. Gabon. Directement donc pour Stéphane Véron. Allez. Une vingtaine de minutes donc en action pour l'instant pour l'ASM Belfort, puisqu'Avranches a égalisé devant les Herbiers, concurrent direct pour le maintien. Et le ballon encore une fois récupéré par Fadloun et les Concarnois. Oh là, il y a une chaussure qui a volé là. Il va être averti, Fadloun. Qu'il aimerait, vous voyez, plus de déchets. Qu'il aimerait, je pense, avoir un peu plus la main mise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie aussi de sa marge de progression de son équipe. Que les Belfortins s'arrachent là pour l'instant sur. Puis, on va dire qu'ils se mettent dans des situations idéales pour sortir le ballon, pour proposer quelque chose. On a perdu un petit peu, même beaucoup de qualité dans le jeu. Oh là là, oui. Pour atterrir du côté de Lorient. Allez, le ballon récupéré par Cucu. Martin là, qui a du mal à. Ouh, attention, Corée. Corée qui efface la sortie. Faut pas qu'il la joue. De Véron, il met en retrait. Ça va pouvoir être dégagé par Martin. Avec ses faits de jeu. La touche effectuée. Martin. Il faut faire. Il en faut beaucoup plus là. Beaucoup plus pour espérer au moins. L'arrêt du pied de Stéphane Véron. Voilà, une touche de balle propre. Janez dans la boîte pour Fadloun. Avec Uskic, il y a Madi qui l'appelait. Martin, justement, qui aura du mal à le servir. Il est beau à voir ce Damessi. L'aisance, balle au pied, le bon là qui cherchait le coup franc, qui n'obtiendra pas. Arizi qui demande la solution. Allez, ouais, c'est à Martin de la proposer. Il y a tout le terrain à remonter. Kuskic qui gagne son duel. Ah, et que de temps mort en tout cas dans ces enchaînements. Belfort qui n'aura absolument jamais enflammé cette rencontre. Bel âge. Bon, il a Ranguin en plus ses partenaires. Voilà, défenseur central, il montre à son équipe que voilà, il tient un vrai esprit de groupe, hein, dans cette équipe de Concarneau. Voilà. Des bon, petites divisions. Oui. Petite tribune. Voilà, 3 minutes à partir donc. De ce moment. Peu court, oui. Et là, on est sur du 3. 4. Aïe. Ouais. Là, on peut pas. Ils sont peut-être un petit peu jetés. Là, il y a une solution avec Amadi. Oh là là, il était en position de hors-jeu. Le centre, c'est pas forcément bien joué, ça. Ballon perdu que récupère Bellage. Allez, une des dernières possibilités pour l'ASM Belfort.
François, Martin,